Survivant. Yeah.
Night of Summerside. Générique de Kim and Play Orange Road, en français Max et compagnie. C'est un grand succès de l'époque de ma jeunesse. Enfin, le dessin animé, bien sûr. Take me to Summerside. 打ち付けより優しさが欲しいと。 Night of Summerside. 溶けなさで隠した瞳は大人だったね。Savoir que ce morceau était un gros tube, enfin était un grand succès à l'époque sur la radio Super Loustic. C'était une radio début des années 90 qui jouait surtout de la musique pour les jeunes adolescents et pour les enfants, et qui avait la particularité de jouer des génériques de dessins animés japonais en version originale. Donc voilà, on avait l'occasion d'entendre tous ces morceaux. C'était moi j'ai découvert beaucoup de morceaux comme ça m'a beaucoup marqué quand j'avais, disons, 12 ans quoi. J'appelais à l'époque pour les disques à la demande et je demandais ce morceau. Maison Ikkoku, plus connue en France sous le nom de Juliette Je t'aime. Thank you.
sujet dans ce morceau. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus récent. C'est le générique de Space Dandy. Welcome to the X-Dimension. Par Yakushimaru Etsuko. Depuis le début de l'émission, je crois d'ailleurs que c'est sorti cette année, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un dessin animé qui est assez intéressant, complètement surréaliste, et il est trouvable sur Netflix. On sait que ça intéresse. Surtout la musique de ce dessin animé est incroyable, hyper disco, hyper spatial, hyper J-pop. À la fois rétro et futuriste. Pardon aux auditeurs, la qualité des morceaux est un petit peu aléatoire. On passe d'un MP3 à un CD, un truc hyper récent à un vieux truc. C'est un petit peu inégal et je sais que c'est un petit peu pénible à écouter. Mais bon, il faut faire avec parce que ce sont des morceaux souvent très difficiles à trouver dans des formats clean. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Soyez indulgents, notamment avec le prochain morceau.
de l'animé Galat. Un animé avec des mechas un peu bizarro, farfelu. C'est très très bien, c'est très très vieux. C'est vraiment 80s, c'est trop bien. On dirait un morceau de Night Slugs. Le prochain, c'est du lourd, c'est un grand classique que tous les gens qui ont mon âge connaissent. Je sais pas si les petits jeunes vont comprendre la portée nostalgique du prochain morceau. C'est Grandizer, a.k.a. Goldorak. Nostalgie dans ce morceau.
Gros saut dans le temps, parce que c'est un animé beaucoup plus récent dont il s'agit là. Attack on Titan. Key change hyper beau dans ce générique. À s'enchaîner les deux génériques. Senseiya. Le premier c'est Pegasus Fantasy, le deuxième Soldier Dream. Yeah.
c'est Soldier Dream. C'est mon préféré. Senseiya, c'est bien sûr les chevaliers du Zodiac. Hein. Je pense que tout le monde le sait. C'est un animé qui a beaucoup compté pour les gens de ma génération. Samurai Troopers. C'était les samouraïs de l'éternel. Une série un peu pompée sur Senseiya d'ailleurs. Et la musique est extrêmement belle. Et je me suis littéralement shooté à ce morceau pendant toute ma jeunesse. Le morceau en particulier s'appelle Samurai Heart. Je crois que c'est le générique de fin.
Ouais, rewind pour celle-là. Dragon Ball Z, Chala, Hep Chala. Je pense que je vais faire une sorte de... Enfin, je vais passer tous mes morceaux préférés de City Hunter, de soundtrack de City Hunter. Il y en a quelques-uns, donc on va terminer l'émission avec ça. On va en passer 4 ou 5. City Hunter, c'est Nicky Larson. Donc voilà, je pense que tout le monde se souvient de Nicky Larson. Et on commence avec le générique que les Français peuvent connaître parce que c'était ce qui passait. On entendait les premières notes à la fin de chaque épisode de Nicky Larson. Voilà, c'est le morceau Get Wild de TM Network, gros classique qui passait lui aussi en boucle sur les ondes de Superloustic à l'époque. Remix. Get wild and down, he don't need a ride.
Oh plus non, je laisse. C'est l'un de mes morceaux préférés de tous les temps, Running to Horizon. Et je crois que c'est par l'un des membres de TM Network, d'ailleurs en solo. Pur morceau d'Italo, façon J-pop. Voilà, ça défonce. Jazzy, c'est Footsteps. Tu connais
connais rien en rock surtout. C'est toujours City Hunter. Ces morceaux me transportent au Japon, qui est un pays très important pour moi, dans lequel je vais à peu près une fois tous les deux ans depuis 2002. Si vous êtes déjà allé au Japon, ou si un jour vous y allez, je vous conseille le quartier de Golden Guy, qui est le quartier qui est dépeint dans le manga et le dessin animé City Hunter. Donc Nicky Larson en français. Et on retrouve vraiment l'ambiance du dessin animé dans ce quartier Golden Guy, avec les tout petits bars et les ambiances un peu glauques, un peu louches comme ça, en même temps tellement 80s. Et voilà, on est reparti. Never Know My Heart, c'est le titre du morceau. Probablement l'un des premiers morceaux de house que j'ai dû entendre. Thank you.
girl living in a fast lane. What? Never think about the future plays day after day. Here listen we. To us, girl, got something to say. My name's Willie. Straighten out yourself, get real strong. Living is living, yeah, you know it's nice. Think about the future, forget your past. Chill out. Love yourself, be for real. If you don't love yourself, no one will. Check it out. Vous étiez pas prêt pour le couplet de Hip House en japonais. C'est vraiment joyeux Noël. On se quitte avec Angel Heart. Ah, sauf que le morceau s'appelle Angel Night en fait. Par PS, c'est somptueux. D'ailleurs, je vais le rewinder. Superbe morceau. Merci d'avoir écouté pendant toute cette belle heure. J'avais toujours rêvé de faire ça, de jouer tous ces morceaux qui ont beaucoup compté pour moi. Alors certains que j'ai découverts plus tard, certains que j'ai écoutés à l'époque grâce à des radios comme Super Moustique. Grâce à mes voyages au Japon, j'étais très heureux de partager tout ça avec vous. Merci, 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 merci. Et encore, joyeux Noël. Big up à toute l'équipe de Rings France. À PH qui a été très très patient avec moi aujourd'hui.
merci à tous d'avoir écouté. Remix.